Salut tout le monde, je sais que beaucoup de personnes se sont demandé comment ça se passait dans la voiture. Et puis pareil au réveil, enfin un peu tout ça. Bah, écoutez, je vais y remédier assez rapidement, donc je vais vous montrer un peu un réveil normal. Donc là je viens de me réveiller tranquillement. Et donc voilà la voiture. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis assis. La position de repos normale habituelle. Et sinon. Grosso modo, voici comment s'organise la voiture. Là, j'ai donc un espèce de. Bah, avec ma plage arrière, ça me fait un espèce de tableau de bord. Donc, je peux poser le PC, notamment pour prévoir la journée, ou retraiter les photos, écrire des articles, etc. Donc, je le laisse pas ici, hein, je le remets sur mes genoux, mais ça me permet de le poser. Sinon, voilà, je peux poser pas mal d'affaires. Hein. Là, je sais que je fais un petit peu de vaisselle à faire. Sur le côté ici. Vous avez en fait de l'eau pour me nettoyer, faire la vaisselle, une étagère où je peux mettre pas mal d'affaires. Bon là c'est un petit peu entassé parce que justement comme vous pouvez le voir, donc je mets toutes les affaires d'un côté et moi je dors de l'autre. Et en fait quand je repars, eh bien j'ai juste à rebasculer quelques boîtes, quelques affaires pour rééquilibrer un petit peu le poids. Voilà. Et puis après, à l'avant. Eh bien, c'est à peu près la même histoire. Je repasse des affaires qui étaient derrière devant, et quand je repars le matin, eh bien, je repasse ces affaires à l'arrière, ou sur le côté, etc. Voilà en fait comment je me suis organisé. Comme vous avez pu le voir, il y a même une corde à linge en fait, faite avec un tendeur, etc. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de sortir et d'aller découvrir la vue. Parce que hier soir, donc on est le 14 aujourd'hui. Hier soir, je me suis couché sans trop savoir ce qu'il y avait juste derrière ma voiture. Donc ce que je vous propose, c'est de voir le parking ici. Voilà, donc en fait, c'était indiqué que c'était une vue, on pouvait du pique-niquer, etc. Bon, il n'y avait personne, c'était pas mal. Voilà, donc là, voici ma voiture. Vous avez peut-être un petit peu commencé à apercevoir derrière les buissons. Et finalement, voici la vue que j'avais juste derrière. C'est donc pour ça que j'ai aussi bien dormi. Hein, c'est vrai que c'était assez calme. C'est quand même assez sympa le matin de se réveiller avec ça. C'est quand même plutôt sympa. Là, on n'a pas la mer à perte de vue normalement. Je ne sais pas si vous distinguez en face, juste en face là, on voit donc des côtes. Puisqu'en fait, on est dans l'espèce, alors je ne sais pas comment ils appellent ça, si c'est un golfe ou si c'est un estuaire, mais c'est un peu grand pour un estuaire, je ne sais pas. Et donc, en fait, ça fait un arc de cercle par la droite. Et donc, c'est cet arc de cercle que je vais faire. Donc, si ça se trouve, dans la journée, je serai de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, normalement, c'est le Pays de Galles. C'est le Pays de Galles. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ces quelques instants vous auront plu. Maintenant, je vais me faire mon petit déjeuner. Voilà, tranquillement préparer ma journée. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Salut tout le monde.